Monsieur Garcia? Oui, pardon. Allez-y. Oh, sympa. Désolé du retard, hein, je pouvais... Bon, c'est compréhensif, hein, en vue des circonstances. Ouais, mais t'inquiète pas que je vais les retrouver. Non, ça reste entre nous, ça. Et si jamais vous avez besoin d'aide, hein, pour les retrouver, comment dire? Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Bref, j'ai pas trop envie de parler. Sur ce pas de problème, pas de problème. Bon, les amis. C'était quoi le sujet déjà? Parce que j'ai un peu mal de tête. C'était la présentation du nouveau mode de fonctionnement. Pardon? Le nouveau mode de fonctionnement. Ah oui. Ben, monsieur, il est déjà au courant, non? Ah, pour le coup, oui, je lui ai expliqué ce qu'il fallait faire, toutes les informations à marquer. Il a vu dans les rapports les exemples de rapports. Monsieur Garcia, vous pouvez le savoir aussi que nous allons... attendez, il y a un ami qui arrive, on en parle après. Allez-y, nous allez-y. Allons peut-être, je vous le dis quand même, nous allons peut-être déménager. Ah ouais? Ouais. Ouais, je suis en réunion, tu peux. Oui, il y a un projet, un nouveau bâtiment qui sera rénové. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Ça tombe bien, présente. On pourra parler du système des mécanos. Nouveau PDG des mécanos. Enchanté monsieur. Bon, enchanté de même. Du coup, voilà, Karim, ici présent, le PDG du Mécano, t'es un bon collègue à moi. Karim, on est d'accord que pour tous les employés, que les trois employés que tu vois ici, tu fais des réductions de 50% en réparation. Moi, j'ai un nouveau truc à te proposer. Vas-y, explique, t'inquiète. Je vous explique mon projet. Vous voyez, on va. Moi, je vous proposerai un contrat à la semaine. À la semaine. C'est par exemple, je vous vends 30 kits, on va dire 15 000 euros. Dollars, ouais. Excusez-moi. Et à chaque fois que vous venez faire une réparation, c'est gratuit parce que vous payerez 15 000 euros par semaine. D'accord. À vous de voir. Toute réparation est gratuite. Et les garanties sont toujours valables. Et garantie, bah on monte à 20 000 histoire que vous payez 5 000 euros pour toutes les garanties des véhicules. D'accord. Vous êtes d'accord, les amis? Ça vous va? C'est un peu vague comme système. Mais... Bon, non, moi je vais te dire à quoi j'avais pensé. Dis-moi. Écoute mon truc. Donc 50% de réparation mécano, les garanties. Selon les véhicules que vous nous achetez. Nous allons faire du bénéfice. Par exemple, si tu m'achètes une voiture en dessous de 100 000 euros, je ne fais pas de bénéfice là-dessus. Mais si tu m'achètes totalement une voiture... d'accord. D'accord, tu vois? Tu vois ce que ouais. Je veux dire? Ouais, je suis d'accord avec ce que tu veux dire. Au-dessus de 100 000, je te dis les tarifs aussi. Hein. Au-dessus de 100 000, on prend 10%. Au-dessus de 5 ans, on prend 20%. Au-dessus du million, on prend les tarifs normaux. Mais est-ce que par exemple au moins les kits, ça vous intéresse? Ben les kits, je sais pas si ça intéresse mes collègues. Vous en voulez, les amis? Moi honnêtement, j'ai pas de voiture propre à moi encore, donc. En tout cas, les kits, on en parlera plus tard. Il y a pas de souci, non, il y a pas de souci. Tu vois, je fais une proposition, au moins on voit, on en parle. Ouais, ouais. T'as une voiture 4 places? Ouais. Petite question, les kits en fait, c'est quoi comme kit de réparation? C'est si jamais on crève, si jamais non, on a un impact, si jamais c'est quoi ta voiture est si vous avez un problème moteur, ouais. D'accord. Ça vous permet de rebooster un peu plus la batterie avant de venir chez nous. Ok. Voilà, c'est ça. Bon, ben, réunion terminée. Ah oui, j'ai oublié, attendez. Quand vous allez, vous faites les garanties pour monsieur Karim, vous devez envoyer le nom du client, le véhicule. La même chose que vous mettez dans le rapport, sauf les prix, et vous l'envoyez. Combien de jours de garantie vous devez faire? Les prix, c'est à peu près pareil. Donc, deux jours de garantie pour en dessous de 50 000. Entre 50 000 et 100 000, c'est 3 jours. Au-dessus de 100 000, c'est 5 jours.
au-dessus de 500 000, c'est une semaine au-dessus d'un million, c'est deux semaines, mais je vous préparerai un exemplaire. D'accord. 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 Donc, Monsieur Garcia et Karim, vous voulez venir avec moi, s'il vous plaît? Ouais. Après vous, monsieur. Tu prends l'appel, beau gosse. Attendez. Tu ouais, t'occupes de la botte, s'il te plaît, Nathan, ou t'as un truc à faire? De la quoi? De la botte, du concès, quoi. Ah, ouais, ça marche, ouais, je reste là. Ouais, je pense pour la radio si jamais. Vers, on y va. Ah, ok, ok. Allez, montez dans mon boboline, messieurs. Waouh, sympa votre véhicule. Quitte la vôtre. Ah ouais. Bon, mettez votre ceinture. Ouais. Ramène-nous à un endroit sûr et appelle des gens. Tu veux un endroit sûr? Ouais, et appelle des gens. J'ai pas trop de gens sur moi. T'en as pas? Non, je fais confiance à personne et tu le sais. À part à toi. Et ton collègue? Non, pas trop confiance. Il nous faut des hommes au plus vite. Parce que ce qui m'est arrivé, ça m'a pas plu du tout. Ça. Donc, Monsieur Garcia ouais. a été kidnappé avec moi. Ouais. Quand on est arrivé au lieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, déjà en fait, c'est que moi en fait je suis arrivé en premier avec l'individu qui m'avait enlevé, donc qui m'a kidnappé directement au concessionnaire. L'individu avait une Sultan RS, trois portes, enfin donc deux places au rouge. Il m'a emmené tout en haut à l'observatoire. Ah, t'étais pas avec moi quoi. Et c'était qui l'autre gars? Pardon? Qui a été kidnappé avec moi, c'était qui? Tu as une idée? Avec vous, c'était Monsieur Brian Walker. C'était Walker, le banquier? Ouais. Et tu veux te venger ou pas? Moi, oui, clairement, oui. Oui, oui. D'accord. Même s'ils m'ont pas fait de mal, je pense qu'ils vous ont fait du mal, donc... Karim, tu veux me venger ou pas? Je dis à la radio que je suis occupé. Ok. Ouais, radio, je suis en rendez-vous avec les concesses pour qu'on parle du contrat de garantie et tout ça. Tu veux prendre ma vengeance ou pas? Non, c'est bon, t'inquiète, je vais dire. Ouais, bon, t'inquiète. J'appelle le banquier Volker. Je pense que on se vengera. Pas maintenant, mais par la suite. Demande comment j'ai réagi au monsieur qui est là. Il aura plus tête. Je sais, mais fais attention. Hein. Mais justement, ouais, c'est ce que je vous ai dit, monsieur. Faites attention parce que là, clairement, tu vas faire. Non, t'inquiète. Mais c'est mon caractère, tu me connais bien des autres, j'ai pas peur de ces gens. On est deux. C'est pour ça qu'on est fort. Sinon je m'appelle Karim Mouri. Attends. J'espère que t'as confiance en lui. Hein. Il veut se venger autant que moi. Ah mais avec moi, y a pas de problème. Hein. Franchement, honnêtement, non, vous pouvez avoir confiance, y a pas de problème, y a pas de lézard. Hein. Passe-moi ton hume. Vas-y. Attends, je m'attends. Vas-y. Alors le 555 tiré. C'était quoi ce bruit? Ça devait être un chat. C'était un chat. 99 76 99 76. Vous passez tous vos permis, les gars. Permis. Toi, t'as l'occasion de pouvoir passer ton permis parce que. Quel permis? Port d'armes, parce que tu viens de te faire kidnapper. Alors, que ça recommence. Le permis port d'armes, on peut en parler, hein. Ça fait depuis 3 semaines que j'essaie d'avoir ce putain de permis port d'armes, et là je dis putain parce que je commence à en avoir ras le cul. Tu peux attaquer en disant oui, je me suis fait kidnapper. La prochaine fois que ça arrive, je vais refaire pareil. Ouais. Ok. Alors moi je vais vous parler du permis port d'armes. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on peut pas le passer. Ouais, on peut passer que ici, ouais. On va faire au plus vite maintenant. Ouais, parce moi, que j'ai boosté Non, je t'explique, j'ai parlé avec le président. Pour l'instant, on peut pas parce qu'il y a un problème avec le PPA et les armes. Ouais. Du coup, pour l'instant, c'est en stand-by. Oui, mais le président, il m'a dit une fois
raté le test d'effort, venez chercher votre arme de mort. Oui, mais pour l'instant, tu vois, c'est en stand-by. Mais en même temps, moi, je suis son jumeau, donc... Bah, tout ce qu'on peut faire, honnêtement, déjà, c'est déjà passer à visite chez le psy. Il a un truc contre moi, quoi. Il a une sympathie contre moi, tu vois. La Mini Cooper, tu parles ? Je crois que c'est un mec qui s'est fait kidnapper, il doit venir la chercher. Ouais, c'est bon, j'ai réussi à refaire le rapport, en plus. On doit aussi essayer de recruter monsieur. Ouais, j'ai vu à quel était. On doit aussi essayer de recruter monsieur Walker. Désolé pour ta voiture. Ouais, y a pas de problème, y a pas de problème. Vous avez pas de voiture de fonction ? Non, j'avais pris sa voiture pour aller chercher la mienne avec toi. Tu vois, mais à ce moment-là, je me suis fait kidnapper, tu vois. Y'a où sa voiture ? Elle a la fourrière. Ah oui, c'est moi, je l'ai mis. Ah, c'est toi qui l'as mis. Blista Lock ? Ouais, c'est moi, je l'ai mis. Ouais, c'est pas grave. Bah, elle était dans le plein milieu du garage et elle était fermée, ça me casse les couilles. Elle était fermée ? Ouais, elle était fermée. Et je l'ai crocheté. Elle a les clés pour la fermer, comment ça se fait ? Ouais, j'avoue. Bref, on verra bien. Je suis totalement d'accord avec toi. Ah, c'est peut-être le verrouillage automatique à force au bout d'un moment. Du coup, Karim, j'ai un autre homme qui t'appelle Pedro, mais je sais pas s'il est dans l'équipe avec lui ou quoi. Pedro da Costa ? Ouais. Je me doute, il m'en avait parlé un peu, mais je me doute s'il est dans l'équipe avec lui ou quoi. Je sais pas. Vas-y, montez, je vous repose. Vas-y. Si le copatron il demande ce qu'on attend, on est plein de. Par contre, si je peux me permettre, genre si jamais on fait quelque chose, sachez que je changerai de tenue et de coiffure. Mais on va mettre un masque. On va bien s'organiser en vampire. Prépare-moi mon véhicule aussi, s'il te plaît. Vas-y, je fais. Bah vas-y, on prend pas. Frère, ils m'ont pris tout mon argent, les enfants. Vas-y. Les enfoirés. On dit qu'on a trouvé quelqu'un qui avait un meilleur CV. Et attends, j'ai une question. Est-ce qu'ils ont le droit de tout prendre ? Tout prendre, je crois que c'est la moitié, je crois. Ouais, moi aussi je me souviens d'un truc comme ça. Moi en tout cas, je leur ai dit j'ai 16$, ils ont fait oh non, c'est bon, en fait, on te les laisse. C'est vraiment Il s'appelait comment, Abdel El Kadhaifi, je sais pas quoi. Oh, je sais pas du tout. Ouais, c'est bon. Non, mais il m'a senti. Je dois voir un truc avec le gouvernement. J'avais vu un truc comme ça à l'entrée de l'aéroport. Après, ça dépend peut-être aussi la somme que vous aviez sur vous. Bon, je vais aller au. Attends. Deux secondes. Je dois voir quelqu'un. Je dois appeler quelqu'un. Le président. Cool. On s'en fout de monsieur le président du numéro. Tiens, je frotte. Voilà. Merci, frère. Ouais. Ça va bien, t'as vu ? Ah ouais, mais c'est nickel. Et encore, là, j'ai pas tous les produits vu que je suis dans le coffre de ma voiture, mais si j'aurais eu la camionnette. Voilà. Bro. Ah bah c'est quand même bien lustré, hein. Franchement. Ouais, pourtant là c'est juste au lustrage classique. Au gouvernement, moi j'y vais au gouvernement. Pourquoi ? Regarde, pourquoi là. T'es allé voir le gouverneur tout à l'heure ? Ouais. Bah attends, j'y vais, j'avais rendez-vous, on se rejoint là-bas. Ok. Tu montes, Garcia ? Ouais. Je vais voir le gouverneur. Tu dis qu'on a été kidnappé. Au mécano. Ouais, je vais lui demander portail à chaque entrée. Ouais.
Mais là, le gang des pâtes, là, il... Ouais, les spaghettis. Est-ce qu'on peut dire qu'on va cuisiner les spaghettis, du coup? Ouais. En vrai, même ce que je connais pas encore. Je les connais pas encore. Et surtout, c'est bizarre parce qu'apparemment, genre, ils vous ont kidnappé, ils vous ont fait du mal juste pour faire du mal, quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est de la violence gratuite, quoi. Vas-y, on y va. On doit parler aux gardes du corps et pas aux... Ah, ça se prépare, les gars. Le sale se prépare. Ah, elle bombarde ma bagnole. Hein. Ah bah ça se voit. Hein. C'est quoi? C'est une lampadati, non? Non, c'est une Tomoda. Une Tomoda? Ouais, une Komoda. Quand j'aurai des sous, je vais acheter la jugular. Ah ouais. Bon. Quoi? Je retourne au garage, moi. Tu as besoin de moi, tu m'appelles. Mais c'est ton rendez-vous, frère. Moi, je dois avoir un gars. Oui, mais il est pas là, le gouverneur, je crois. Ouais, mais t'as un rendez-vous à quelle heure? Mais déjà à 20h, je suis venu, il n'était pas là. Ah, tu dois l'envoyer un message. Non, mais c'est déjà fait, c'est déjà fait. En plus. Attends. Voilà. Bon, ciao. Je vais péter un cap. Viens, on va se découler. Viens. Bah, allez. Viens, on va boire un truc. Viens. Karim. Ouais. Bien, on va voir un truc. Moi, il y a juste possibilité qu'on me dépose peut-être au commissariat, comme ça je vais aider, je vais porter. Vas-y, je te dépose. Vas-y. Attends, tu sais quoi? Attends. Prends ma voiture. Ouais. Mais il pourra pas la fermer. T'inquiète, je vais lui donner les clés. Je la dépose où après? Tu la déposes, tu nous rejoins. Ah, ok. T'envoies un message. Gestion de. Hein? Ah, je peux pas donner les clés. Attends, frère, attends. Bref, tu fais juste attention, c'est pas. De toute façon, ils peuvent pas toucher le véhicule au commissariat, après tu le rejoins. Bah je vous rejoins où après? T'envoies un message à Karim et il t'envoie. Ah ok, ça marche.